Bonjour tout le monde et aujourd'hui présentation d'un mode que je n'ai jamais fait, mode aventure que je n'ai jamais fait. Donc c'est parti, on se lance. Oh putain, ça prend du temps. Oh, je vais être tranquille. Oh, finalement c'est pourri comme arbre. Je vais prendre mon bon vieux fusil. Voilà. Vous pensiez que ça vous sauverait? Tiens, il y en a encore. Ok, c'est bon. Oh, c'est curieux cet endroit. Oh, attendez, vous savez ce que vous allez faire, vous trois? Enfin, vous trois, le chien. Tu peux ramener ce monde à River City? Je vais y aller tout seul. On se retrouve plus tard, ok? Ok. Bon, je les ai virés parce que c'est un mode que je dois faire en solo. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que c'est, ça? Le chien, on s'en fout. C'est parti. Alors, admin... site clé, ok. Oh, je fais des robots. Un ordi. Alors, anglais. Oh, Kennedy. Allez, c'est reparti, des énigmes. Ah, là-bas, un bouton. Là, encore un anti pour les tourelles. Mais bon, pour une tourelle prise déjà détruite, je vais pas emmerder. J'espère qu'on m'entend là. Quelque chose, un squelette, une box, une clé. Et je me casse. Pas grave. Ok. J'y suis allé tout seul. C'est assez stressant, vous savez. Il y a des ennemis. Où je me suis embarqué encore? Vous savez, j'ai envie de pisser dessus parce que encore Devil Wish, j'avais déjà fait le mode, donc je savais à quoi m'attendre. Et puis, ça sent bon tout ça. Ça pose ambiance. L'entrée à découvert est identifiée. Ah, la résistance est illégale. La musique de combat est moins forte que la musique d'ambiance quand même.
Allez mon petit Trevor. D'accord, c'est fermé. Hop, hop. T'as fait chier. Blablabla, bla, 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 je prends pas anglais. Putain, musique. Oh, trop de calibre. Oh là là. Putain d'ambiance. J'ai plus un robot. Et je vous dis même pas c'est quoi comme mode. Enfin, ça sera dans le titre de toute façon. Et donc du coup pour le suspense c'est un peu cool. Une clé, où est la clé? Peut-être c'est ça. Bon, on va pas y passer 2 heures, coupure jusqu'à ce que je trouve la clé. Ouais, il est sûrement dans ce petit bureau. Trop fort, non, c'est un mémo. Non. Pas de clé, pas de clé, toujours pas de clé. Ah. Non, c'est juste des... Trop pas là-dedans, verrouillé, bien sûr. T'as pas niqué toi. Bon, recoupure. Voilà, donc... Ah bah j'ai déjà prise. Il y avait une clé dedans. Et j'ai pas encore ouvert le terminal. Est-ce que vous savez que j'ai le malaise là? Vous savez ce qui me ferait peur là? Un jumpscare. Vous savez le monstre qui apparaît d'un coup dans les yeux? Parce que je me suis même pas renseigné, c'était quoi comme sorte de mode avant? J'ai vu que c'était fait en plusieurs parties. Si je tire, aucune prudence, donc il n'y a pas d'ennemis, ça c'est bon de tirer. Thank you.
ça me met tellement mal à l'aise. Cette musique, cette musique. Ah là là. C'est quoi? Attends, c'est quoi ça? Instraputi. Non, instraputi, ouais, un truc du genre. Il va te faire boire. Admin. Test. Ça par contre c'est horreur. Chercher des trucs, ça c'est un truc que je déteste. Chercher des trucs. Et je déteste tout ça. Ben quoi. Ok. Oh, trop petit calé. Donc là c'est pas par là puisqu'il n'y a pas de porte qui mène à quelque part. Donc on abandonne. C'est un câble. Coupure. Et bien sûr, j'ai même pas ramassé l'enregistrement. Bon, bref, je sais pas comment je tourne en rond, donc je suis arrivé devant ce PC. Et sans explication, j'ai un peu touché à tout. Bon, bref. J'ai cherché 10 bonnes minutes quand même. Hein. Message. Ouais, j'ai reçu plein de messages. Donc Arthur, blablabla. Et oh. Ouch. C'est pas la porte que j'avais vue tout à l'heure. Ouais, ça c'est la porte que j'avais vue tout à l'heure. Je sais parce que je me suis acharné à essayer d'ouvrir, ça va pas marcher. Peut-être que ça va marcher. Oh putain, merci. Oh putain. En fait. Bon. Sauvegarde. Très difficile. Oh, tu peux ouvrir comme ça? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Fucking my face. La sécurité, mais
Peut-être que celui-là aussi, tiens. Honnêtement, les techniques me cassent couilles, je vais leur présenter les trucs. Intéressant, quand j'appuie sur un bouton, l'autre bouton s'éteint, s'allume, enfin pas sur le jeu. Ouais, ces histoires de clés, ça va vite plus faire chier, hein. D'ici avant de finir les radiers. Ah non, moi je touche pas là-dedans. Wow, voilà, il m'a beaucoup. Je crois que je vais nager là-dedans. La porte actionnaire, bien évidemment. Je sens très mal l'histoire. Ok. C'est bien ce que je me disais. Alors, n'hésitez pas à te faire voir. Central, c'est une meeting. Oui. Et là, ça me donne une clé. Oh yeah. Ma mère la porte. Ils ont rentré sur moi. Ah ben, vous avez un ami. Là, je me tire pas. Une porte. Defended. Defended. Ah!
On recommence. Ça se trouve, il y a la clé. Barricade, ok. Et si on trouve un truc à Ed? Ok, toujours pas Ed. On continue par Ed. Ouch! Ok, ok. À la poutre, une balle. Oui, j'ai eu les trois. J'ai pas regardé. Je suis pas allé jeter mon œil de ce côté. Ah bah c'est la sortie, normal. Une petite clé va te faire boire. Va te faire enculer un peu. Je chauffe, on va retourner dans le bureau. Blablabla. Oh, peut-être que je re-retourne au réacteur en fait. Oh, oh. Planté dans un coin. On retourne au réacteur. Et en fait j'étais pas de ce côté. Simply, Titan, c'est pour ça on commence. Matter, ok on va chercher. Il y a peut-être un peu à la fin, à clair, non, ça recommence. Oh, il y a le premier. Donne-moi des trucs bien. Ok, parfait, parfait. Ça est bon, je crois. Tourelle, tourelle, c'est beau, non.
Et peut-être là. Qui c'est après tout. Bon, on va redescendre le temps. Ah voilà. Blablabla. 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 Je sais pas si ça affiche ça tout. Et pourquoi la musique s'affole? Ok. Y'a un truc qui pique là. Ok. Ah non. Ça y est, toujours faire ouvert. Wow, wow, wow. C'est un câble. Trop de clés à chercher. Je hais chercher des objets. Le goul. Si on peut, j'ai décidé à courir. Oh. Ça me plaît. Et bon, est-ce que ça m'aide plus que ça? On va encore chercher... Non, je cherche pas. Hein. Pas clair. Désolé, mais bon. Non. Ah! Mais bon, c'est quoi, je suis en mode... Putain, ma fille, je sais pas pourquoi avec des mots, j'ai eu un coup de stress. À courir. Toile, toile, faut savoir. Et par là, je ressors, ok. Oh la vache! Oh, c'est chaud aujourd'hui. Aïe, à ma gueule. Aïe, putain. Oh putain, c'est raté.
Mais non, pas le psycho, je pense. Il faut ça et ça. Réacteur, équipement. Computer. Plus accès. Ok. Entre lui, il y en a qui peut-être. Da-da-da. Je m'en fous, j'ai une tenue anti-radiation. Ainsi que je t'emmerde, ainsi que j'en étais sûr. D'accord, on va aller plus loin, je suppose par là. Fermé, le cycler, verrouillé. Bah, te faire voir. Donc, ben, on reprend là-bas. Et là, c'est verrouillé, le cycler. Le cycler, le cycler. Je ne sais pas où c'est que je dois trouver ta clé. Peut-être la baguette bouton. Non. Ah là là. Ah, attendez. Il y a moyen de passer. Au pisse, je suis passé par là. On veut bien sûr les citer. What's that? Je sais pas, j'aurais pu dire petit passage de clé là pour faire plaisir. Clé peut-être. Et les yeux. Il y a un passeport qui est ouvert, je ne sais pas lequel. Fermé. Ouais. On va dire que ça me déprise un peu. Décider. Vous avez rien à montrer, hein? Même si vous êtes mort, non? Bon. Oh! C'est bon ça? Oh! Wow, c'est un peu erratique là. Ok,
a tout suivi. Officiel, Damo, pour le café. Je vais juste me prendre de ce voie de way. Bonjour, pourquoi? Et la musique qui se calme. Faut peut-être tu garder avec moi les deux autres, hein. C'est pas si dangereux que ça ici en fait. Si on aurait fait de la compagnie, je me sens si seul. Open? Oui. Non. Erreur fatale. C'est mon point intégral qui va être fatal, tu vas voir. Blablabla, blablabla. Et toi, tu es fatal aussi? Ouais, tu es fatal. Et toi, mon ami? T'es là. Blablabla, rien de tout. As-tu des clés? Oui. Et un code en plus. Ah mais ça va, je suis discrétion maximum. Donc si mes calculs sont corrects, j'ai reçu un code pour une porte codée. Qui m'a l'air d'être celle-là, j'en ai sûr. Pas d'ennemis à proximité. Dessus par une tube. D'ailleurs elle vient d'une musique mais heureux. Tiens. Au moins ça occupe parce que bon, moi j'aime bien que c'est tirant partout. Au moins c'est le dialogue, mais là je suis tout seul.
Je sais pas pourquoi j'ai pris le temps de ce type. Oh non, je trouve. Voilà, comme ça je suis mort. Et j'ai plein de. Ah là là. Bah c'est bien, j'en avais le stock, mais je vais l'utiliser un peu. Pourquoi j'ai eu besoin d'être invisible? Si ça se trouve, je dois remonter et aller de l'autre côté, c'est ça? Peut-être les plans, non? Oui, le mec est d'une sorte de super. Je commence à connaître le petit mec. Hein. Crushing. Damned idiot. Bla 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 bla. Ok, ça finit par ing. Ok, ça finit bien par ing. Ok, on va réussir. Ça ne finit pas par ong, donc ça finit par ing. Putain! Je suis sûr que ça finit par ing. Oh! Ok, maintenant on va retourner autour, vous savez là, à la porte où j'étais tout à l'heure, quoi. Et je me rends compte qu'en fait c'était pas une porte, c'était un ordinateur. Ventilation, ventilation control, inlock 1. Ah, ventilation. Ventilation. Et maintenant, non, c'est vraiment trop fort. On va passer d'un autre côté.
là-bas. La musique, ça m'a dit des rues de pierre. Pourquoi je fais ça déjà? J'entends des voix. My God, bla bla bla, central. Où est mon truc? Ah! Ne dis pas que j'ai jeté. Ah, c'est là. Bon, on y va. On perd pas de temps. Rebonjour, et nous revoilà. Et cette fois, j'ai décidé d'équiper un joli tenue de la confrérie d'acier quand je suis venu accompagné de Jean-Paul ici présent et René qui est là-bas. Donc engageons sans plus de précédent la suite de l'histoire. Intégralement en anglais que je ne comprends pas. Il est énervé. Toi t'es René ou Jean-Paul? Bon, toi t'es René. Hey. Et où est l'autre? Bah attends quand même. Putain, il vient pas. Oh, viens Jean-Paul. Ah voilà, Jean-Paul et René. Jean-Paul, René. Ou à moins que ce soit lui Jean-Paul et lui René. Non, lui il a plus une tête, ça s'appelle Jean-Paul, et lui il a plus une tête, ça s'appelle René. Ça fait plaisir de voir. Allez, ça marche les gars. Ok, sauvegarde. Vous me suivez les gars? Bon, vous gardez la porte, ok? Ok, c'est cool.
Ça finit pas par Ed. Trop fort. Chier. Fais chier. Et fais chier. Salut. Il n'y a pas de quoi péter une câble. Peut-être là. Que j'ai pas vu. Ah. Déjà c'est une clé, donc c'est pas un ordinateur qui va s'ouvrir. Logiquement. Donc c'est ça. Parce que là il y a un ordinateur, donc c'est... Il n'y a pas d'ordinateur, donc c'est une de ces deux portes. Deux. Bla 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 bla. Salut les terres désolées. Des tas de choses en post-apocalypsia ces jours-ci. Voilà les dernières nouvelles. Ne perdez pas espoir, les enfants. Ne perdez jamais espoir. L'enfant de l'abri 101, le messie des terres désolées, est toujours parmi nous. Écoutez ça. On dirait que j'ai un flash d'info pour vous, les enfants. Un grand merci à l'étrange nomade de l'abri 101 pour avoir sauvé la petite ville de Canterbury Commons. De qui demandez-vous? Réflexe. Donc pour le réacteur, donc c'est pas ça, c'est là-bas. Putain, il se foule pas la cheville pour m'aider, j'en peux les renier. Ok, là, ça finit par deux ailes. Donc ça c'est fait, on y retourne. Donc une des portes est ouverte maintenant. Laquelle? Telle est la question. C'est déjà venu. Ce qui est bien, c'est que je tourne pas en haut. C'était ironique. Oh putain! Oh ça va, c'est Jean-Paul. Erroné. Vous venez? Non, vous gardez la porte. Très bien. C'est un peu bleu, là. La conne de toi, tu sais que tu m'as fait tarpin flipper, toi. Mais tu sais que tu m'as fait peur. Hein?
À mon avis, il est mort. Pas de pire. Mais fais chier. C'est une porte un peu. Non. Permettez, je fouille. Oh, puis je vous laisse tranquille. Ciao. Allez, on tire. Je dis, on tire. Jean-Charles, Jean-René, non pas Jean-Charles, Jean-René, René, oui, René, Jean-Paul, oui, non, bah c'est oui, allez. Go. Ok, on progresse. Direction par là-bas. Lui, il a rien compris la vie. Bien joué, Jean-Charles. Ça, ça devrait pas vivre. En avant les gars, en avant. Bon, vous restez encore là comme d'habitude. Bien sûr, comme de lâche.